Allez, juste avant, on a vu les simplifications de fractions. Maintenant, on fait de la somme de fractions dans le calcul numérique. Donc, on va commencer tranquille. Vous se rappelez la règle que quand j'ai une somme de fractions, A sur B plus C sur D, il faut absolument mettre au même dénominateur. Ne me faites surtout pas A plus C sur B plus D, par exemple. Ça va être les produits. Ça, on verra dans les compétences d'après. Comment je mets pour mettre au même dénominateur? Donc là, c'est dans le cas général. Je vais multiplier le dénominateur par l'autre. Et si je multiplie ici par hop, B par D, comme c'est une fraction, il faut absolument que je multiplie aussi au numérateur pour que ça ne change pas la valeur de la fraction. Si je ne multiplie que le bas, bah, ça veut dire que ce n'est plus la même fraction. Alors que nous, on veut cette fraction plus cette fraction. Et l'autre fraction, on va faire exactement la même chose, on multiplie par le dénominateur de l'autre. D'accord? Donc tout simplement, donc vous savez aussi qu'en maths, quand on a des produits avec des lettres, on n'est pas obligé de les faire apparaître, on va juste les coller. Donc au final, ça me donne AD. J'ai plus de place, hein, donc débrouillez-vous, hein, mais normalement ça c'est acquis, désolé, hein, sur BD. D'accord? Pourquoi j'ai mis qu'une seule barre? Parce que j'ai bien mis au même dénominateur, c'est sur BD. Donc je mets tout sur BD et je peux faire la somme au numérateur de ce que j'ai calculé là. OK? Donc c'est ce qu'on va mettre en application tout de suite avec 1 demi plus 5 tiers. Donc 2 et 3, il faut que je multiplie l'un par l'autre parce qu'en plus, on verra sur d'autres calculs on n'est pas obligé de faire ce calcul bourrin de suite. On peut, si par exemple ici j'avais 4, j'aurais pu juste multiplier par 2 ici, multiplier par 2 ici, parce que 2 fois 2, ça fait 4. Donc on n'est pas obligé de forcément transformer l'autre fraction. Ici, on n'a pas le choix parce que 2 et 3 sont des facteurs, enfin c'est des nombres premiers. On est obligé d'avoir un 2 fois 3 en bas. Donc le 2 ici, je vais le multiplier par 3. Et le 3 ici, je vais le multiplier par 2. Ça va bien me donner 6. Je fais un peu de teasing pour la suite. Donc si je multiplie le bas par 3, il faut que je multiplie le haut par 3. Si je multiplie le 5 par 3, le 3 par 2, pardon, il faut que je multiplie le 5 par 2. Ouh! Ok, donc là j'ai tout sur 6, donc je peux même prolonger un peu. 1 fois 3, ça fait 3. 5 fois 2, ça fait 10. Donc j'ai 10 plus 3, ça fait 13 sur 6. Donc là, je me pose toujours la question à la fin. Bon, moi j'ai un cas où j'ai pas ça, j'ai fini, mais on se pose toujours la question à la fin, est-ce que je peux simplifier? 13, c'est un nombre premier, je peux pas le casser, et 6 c'est plus petit que 13, donc forcément il n'y a rien qui simplifie. Voilà, ça marche. On va faire d'autres vidéos plus compliquées avec des moins, des voilà. On va faire plein de petites vidéos comme ça. Vous faites les exercices, bien sûr, et on se voit bientôt.